bah, le timing au feeling. Au feeling, et le feeling, c'était l'épuisement. C'était le fait aussi que j'avais vu Corinne au mois de novembre qui m'avait demandé si je voulais mettre fin à ma carrière internationale ou si je voulais me mettre en retraite, ce qui n'était pas du tout mon vœu. Donc, je lui ai laissé la possibilité de choisir de me sélectionner ou pas. Et il n'y avait absolument rien de définitif, puisque encore aujourd'hui, il n'y a absolument rien de définitif. Mais suite à ça, suite à la Coupe du Monde, suite aux 8 dernières années où on fait des compétitions, on n'arrive pas en demi-finale, comme j'ai pu l'exprimer, bah, il y a un certain épuisement d'un système qui, pour moi, ne nous permet pas d'aller tout en haut. Un système qui comprend tout le monde, les acteurs, les actrices, les joueuses, le staff, la fédé. Ça, c'est une vision globale que j'ai, je pointe du doigt personne. Et du coup, bah, je me suis dit que dans la vie, il fallait être engagé. Je me suis tue pendant 4 ans parce que je voulais faire cette Coupe du Monde aussi, parce que j'y croyais. Et puis finalement, mon caractère, il est surtout d'être engagé. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de laisser un système aux nouvelles générations qui ne leur permettra pas d'évoluer. Je ne dis pas que moi, je vais faire évoluer les choses, mais à mon niveau, en jetant une petite pierre, peut-être que ça va faire un petit peu évoluer en équipe de France, ça va peut-être faire réfléchir d'autres, je sais pas. Peut-être ça fera évoluer personne. Moi, ça m'a soulagée, ça m'a permis de me sentir un peu plus libre. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir fait mon devoir d'une joueuse de haut niveau qui veut qu'un jour la France remporte un trophée international. Non, bah, de toute façon, je pense que pour ma part, sauf le jour où je vais dire que j'arrête ma carrière de footballeuse, on est toujours sélectionnable. Donc, en tout cas, c'est ma philosophie. À mon sens, les joueuses qui permettent à l'équipe de France de remporter un trophée doivent être sélectionnables. Après, elles le sont ou pas, ça c'est des choix et encore une fois, je les respecte. Mais non, moi, le jour où j'arrêterai ma carrière, je serai plus sélectionnable. En fait, je ne veux pas être celle celle qui veut à tout prix s'accrocher, pas du tout. Je suis très très libre, je ne suis pas performante. Je ne serai peut-être plus jamais en équipe de France appelée, je ne jouerai peut-être plus jamais avec ce maillot. Je fais une carrière très très longue qui me va très bien, mais je n'ai pas envie de battre des records de longévité. En fait, je veux juste qu'on respecte le fait que tant que je me sens bien, je suis sur le terrain. Point final, je ne demande aucun jugement de ce. Voilà, je ne juge personne. Si on a envie de faire une carrière courte, plus longue, moi je me lève le matin, j'ai envie de jouer au foot. Et je fais tout pour être performante. Voilà. Et le jour où je ne ferai plus tout pour être performante, j'arrêterai. Merci. T'as rien.